Welcome to From AMIA to Armistice, a series of podcasts commissioned by UCL Institute of Education. I'm Simon Bendry, Director of the UCL Institute of Education's First World War Centenary Battlefield Tours programme. In August 2018, students from across the United Kingdom joined students from France, the United States, Canada and Australia on the Western Front to commemorate the Battle of AMIA. This series, recorded largely on location during that battlefield tour, tells the story of the Battle of Amiens in the wider context of the First World War and the road to armistice. In this podcast, we hear reflections from the group representing France on the battlefield tour. Je suis Myriam Amoury, je suis déléguée nationale en charge de la région des Francas en Haute-France. Ça veut dire que je suis en charge de toutes les actions qui sont en lien avec les enfants sur le temps libre, donc le temps en dehors du temps scolaire. Je suis Adouine Viola, je suis salarié des Francas de la Somme, qui est une association membre de la Fédération nationale des Francas. Je suis directeur du centre social Elbeuf Lescouvé à Amiens, et d'où viennent les jeunes qui ont participé au séjour. On est à Compiègne, Aldouine. Oui. Puisqu'on est dans le lieu où a été signé l'armistice le 11 novembre par le général Foch. Première guerre mondiale, 14-18. Donc c'est le quatrième jour de notre périple dans la Somme. Nous avons visité des cimetières et puis des monuments. Le deuxième jour, on a un peu plus parlé de la bataille d'Amiens. Et puis, hier, nous étions à Amiens pour la cérémonie du centenaire à la cathédrale. Et pendant tout ce périple, on était donc en lien avec les partenaires australiens, néo-zélandais, anglais, américains, écossais. Aujourd'hui, la jeunesse qu'on a embarquée avec nous réussit à travers l'histoire de recontextualiser qu'est-ce qui fait l'Europe aujourd'hui, finalement. C'est pas la question économique, c'est bien la paix. Et le fait de se rendre compte qu'il y a eu un tas de jeunes quand même qui ont été sacrifiés lors de cette première guerre, ça nous questionne sur aujourd'hui comment est vécue l'Europe, qui se sacrifie pour cette question-là. Même si ce n'est pas forcément des morts, on a quand même des gens qui se saignent pour faire en sorte que la question européenne et le vivre ensemble soient tenus encore aujourd'hui. Et le fait de se faire rencontrer aussi dans un groupe intergénérationnel, ça veut dire qu'il y a des enfants, des personnes un peu plus âgées, des anciens combattants aussi. Parce que nous, au Franca, alors on a oublié de dire d'où on vient d'une association, Mouvement d'éducation populaire, Franca, complémentaire de l'école. On n'a pas forcément l'habitude de travailler avec les anciens combattants sur cette question-là. Et je pense que c'est peut-être quelque chose sur lequel il va falloir qu'on réfléchisse pour justement la question de la transmission. Parce que transmettre l'histoire, et l'avoir vécu en plus, lorsqu'on la transmet, c'est beaucoup plus fort que de venir faire un exposé dans un espace quelconque. On a un groupe qui vient d'Amiens, principalement, et donc à Amiens, en tout cas, dans les programmes de l'éducation nationale, on parle beaucoup de la Première Guerre mondiale, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de Verdun dans le programme, la bataille de la Marne, etc. Les enfants qui sont à Amiens ont la chance, dans leur programme scolaire, de pouvoir, dès la primaire, collège, aller visiter les sites de la Somme, en fait. Donc Thiepval, ils connaissaient, Villers-Bretonneux, ils connaissaient, et puis ils avaient aussi déjà visité le musée canadien. C'est vrai qu'on passe beaucoup plus de temps sur la Seconde Guerre que sur la Première Guerre. Et les effets de la Première Guerre sont peut-être moins connus que les effets de la Seconde Guerre. Et je pense que sur le séjour qu'on vient de vivre, il y a une prise de conscience sur la bataille d'Amiens en tant que telle. Parce que là, on est sur un événement de la Première Guerre qui a marqué un territoire donné dans lequel les gamins avec lesquels on est vivent. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience de en quoi cet événement a réellement marqué leur territoire de vie au quotidien. En tout cas, ça m'a marqué personnellement. Donc je me dis que ça les a peut-être aussi bousculés, puisqu'ils parlent du nombre de morts, de l'âge des soldats aussi, le fait qu'ils étaient jeunes. Donc c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, je pense que la Première Guerre mondiale va être rapportée dans leur parcours de vie, pour la suite, à des choses qui sont très symboliques. Et on se rend compte, nous, au niveau des Français, que la bataille d'Amiens, on ne la porte pas autant que les Anglais, les Australiens, enfin voilà, tous les partenaires qui étaient là, quoi. Et en France,
Donc ça nous bouscule un peu, nous aussi. Ça hein, bouscule un peu, oui. Quand même, parce qu'on est en France, on est chez nous. Et se dire que c'est vécu avec une intensité telle par nos partenaires, mais pas autant que nous. Enfin, voilà, donc il y a peut-être des choses là à travailler de manière un peu plus pédagogique avec les gamins pour que ça puisse nous imprégner au quotidien. Bonjour, je m'appelle Ryan, j'ai 12 ans, j'habite à Versailles. Pour moi, ce qui m'a marqué pendant ces 4 séjours, déjà la cathédrale, parce que voir le prince William, c'est pas tous les jours qu'on le voit. Il y avait les ministres européens qui avaient parlé de la guerre et qui voulaient vraiment faire la paix. Et ça m'a marqué. Et aussi, je savais pas qu'il y avait autant de morts aussi jeunes. Il y avait des personnes, ils étaient morts à 15 ans, 17 ans, 18 ans, c'était exceptionnel. Je m'appelle Mayelle, j'ai 12 ans et durant ce séjour à Albert, j'ai appris beaucoup de choses sur la guerre que je ne savais pas. Je savais que c'était une guerre sanglante, mais je ne pensais pas autant. Je m'appelle Charles, j'ai 16 ans, je viens d'Amiens. Ce que j'ai appris, c'est qu'il y avait beaucoup plus de morts que je pensais par rapport aux Français. Bonjour, je m'appelle Amine, j'ai 7 ans, j'habite à Lille. J'ai appris qu'il y avait plus de blessés que de morts. Et la guerre, ben, il y avait la France contre l'Allemagne. Bonjour, je m'appelle Valentin, j'ai 12 ans et je viens d'Amiens. J'ai appris que la Première Guerre mondiale, ils combattaient dans des tranchées. Ils l'ont fait eux-mêmes. Je m'appelle Enzo, j'ai 12 ans, je viens d'Amiens et j'ai appris qu'il y avait des différentes tranchées, moyens, petits et grands. Je m'appelle Noémie, j'ai 16 ans, je viens d'Amiens et je pensais pas que les bombes ça faisait des aussi gros trous qu'on a pu voir quand on a fait les visites. Bonjour, moi je m'appelle Issachu, j'ai 13 ans. Ce qui m'a plu pendant ce voyage, c'était les visites qu'on a faites. J'ai appris plus de choses sur la Première Guerre mondiale. Bonjour, moi je m'appelle Maëviola, j'ai 15 ans et je viens d'Amiens aussi. Ce qui m'a impressionné, c'était les cimetières, par exemple un cimetière allemand, où sur une croix, il y avait 4 tombes. Et quand on voit le nombre impressionnant de croix qu'il y a dans le cimetière, on se dit qu'il y a beaucoup de monde qui a vraiment dû y passer, que la guerre a dû être vraiment très violente. Bonjour, je m'appelle Adèle, j'ai 11 ans et j'habite à Lille. Pour moi, j'ai appris que les Australiens, nos alliés, ils ont fait beaucoup pour nous libérer. Je ne savais pas aussi que le 11 novembre, l'armistice était signé. À 11h, les cloches sonnaient, il y avait des tirs en l'air et tout et tout. You have been listening to From Amiens to Armistice, a Chrome Radio production for UCL Institute of Education. The producer was Katrina Oliphant, with sound design by Chris Sharp. In our next podcast, we hear reflections from the group representing England on the battlefield tour.